And here we have quelques termes mathématiques. 25 est un multiple de 5. Ludy résout une équation à deux inconnus. Here we have 15 au carré, 15 au cube, and 15 à la puissance 10. Here on the side we have un graphique, une courbe, une ordonnée and une abscisse. And here's a little expression. Résoudre ce problème, c'est la quadrature du cercle. Ça veut dire impossible à résoudre. I don't know if this also exists in English, but you can say it in German. Die Quadratur des Kreises. So something that's impossible to solve. He's trying his best. And one last phrase. Dans ce pays, la population est à croissance exponentielle. So that's a word that I think we're all familiar with these days. Alright. So, let's start with the first one. Choisissez le ou les termes possibles. So we can choose between four different words and we have to find out which ones are correct. Clément participe à un institut, un colloque, une branche ou un congrès scientifique. So we had that over here. Irène participe à un colloque ou un congrès. Alright, so. Un colloque, un congrès. I don't think you can say to participate at an institute or a scientific branch. La biologie fait partie des sciences sociales, dures, exactes, humaines. So that's dure and exact. Ses recherches sont approfondies, spécialistes, fructueuses ou sociales. So, that is here. Ses recherches sont avérées fructueuses, vaines, stériles, mais il va falloir qu'elles soient plus poussées ou approfondies. So, I think we can say fructueux. Probably approfondi. Now with the other two again, I'm not sure. I guess you can say you're doing research in the social sciences. Maybe you can express it with ses recherches sont sociales. They surely are specialists. I think any kind of research is very specialized. But is there something you would express that way? Since it doesn't say here, I'm going to leave it out. But these kind of exercises, I think, really are challenging. It's sometimes easy or easier to just understand the text than to find the wrong parts. I think that's one of the hardest exercises you can do. La chercheuse a publié un article, une problématique, un ouvrage ou un papier. Okay, so you can publish an article, a paper,
des ouvrages. S'assire Etienne est un savant qui publie aussi des ouvrages de vulgarisation scientifique. Okay, so ouvrage, I think it's just generally some work. It can be anything, a book, a paper. Eve fait de la recherche fondamentale, appliquée, vaine ou exponentielle. So this time we're up here. Fait de la recherche fondamentale ou appliquée. Okay. Let's see how I've done. So we're down here. Un colloque, un congrès. Correct. Dur and exact. Approfondi et fructueux. Un article, un ouvrage, un papier. And fondamental ou appliqué. Okay. Great. I'm very happy with that. It's always easier when you can look it up here on the left-hand side. Les phrases suivantes sont de sens équivalent. So, are the phrases on the left and on the right equivalent? Chloé fait une communication pendant le congrès. Elle intervient dans le congrès. So we've had comme tous les intervenants, so I think this just means participants. Then this would mean she presents something, she participates in a congress. Comme tous les intervenants, elle va faire une communication. I guess so. Not sure. We'll see. Léo écrit des livres de vulgarisation scientifique et répond à un appel à communication. No. So these are two different things. Un appel à communication is something that happens at the Congress. But to write these books is something that he can do without an appel. That's his own choice and decision. Benjamin est physicien et il travaille dans les sciences exactes. Yes. Ses recherches sont poussées, elles sont vaines. Non. J'ai fait de la recherche fondamentale et ne veut pas de recherche appliquée. That's correct. We said earlier these are two different things. Recherche fondamentale and recherche appliquée. Les actes du colloque sont publiés. On pourra lire les communications des participants. Yes. So, they're published, meaning you can read them. Okay, let's say the first one is correct. Second one is wrong. C'est vrai, c'est fou. Et c'est vrai.
next one. Compléter. So here are some missing parts in the sentences, and we have to find the missing word. Quarante et un de six. Atelier, les termes mathématiques. Un multiple de six. Ce jeune homme s'intéresse à plusieurs de la science. He's interested in different branches, I think. À plusieurs branches de la science. Véronique s'intéresse à la science. Elle lit un ouvrage de sur la physique. Un ouvrage de, I guess they reference this part here. I'm wondering if something else could fit in there. Maybe an ouvrage de recherche. Could be. Let's add it here on the side. Cette question est ardue. C'est la quadrature du cercle. Le jeune homme, une équation à deux inconnus. Il résout. From résoudre. These are some of the harder verbs. Dans son exposé sur la situation économique, Marx a présenté un pour montrer la du chômage. Okay, so here's how the presentation on economy. Max a présenté maybe a graphic. What else could he present? Va faire une communication, that's different. Could present a paper, I guess. Présenter un papier. Let's try this. Pour montrer la du chômage. What could that be? La croissance exponentielle à date that this fits with chômage. There would be a dire economic situation. I guess we are going with une coupe. Ce manuel met la biologie à la de non-spécialiste. Ok, we're done here. Et c'est mettre la science à la portée du grand public. So, ce manuel met la biologie à la portée d'un non-spécialiste. And then we're going to do number 4 as well.
trouver une autre manière de dire. Ces recherches n'ont pas été fructueuses, hélas. Ces recherches se sont avérées vaines. Pierre, centré sur sciences humaines, Pierre, centré sur sciences sociales. Jean-Noël se rendra à un congrès la semaine prochaine. Congrès de Canal Society, un colloque. Nadia fera une intervention lors de ce congrès international. Ok. Une intervention. So I guess elle va faire une communication. Elle fera une communication. Avez-vous consulté le texte du colloque? So that's probably les actes du colloque. C'est un problème impossible à résoudre. We've already had that. Calm down here. C'est la quadrature du cercle. I read vulgarisation scientifique, but I wasn't sure. I also met recherche. That's not right. It's enough to just say vulgarisation. Véronique s'intéresse à la science et lit un ouvrage de vulgarisation sur la physique. Okay, so almost correct. Cette question est ardue, c'est la quadrature du cercle. Le jeune homme résout une équation non inconnue. Then we have un graphique and la courbe. Okay, also correct. And ce manuel met la biologie à la portée de non-spécialistes. And then here with number 4 we have ces recherches se sont avérées vaines or stériles. Sciences humaines, it's the same as sciences sociales. I was thinking earlier there are, I think in German, 4 different ways of saying this. Humanwissenschaften, Sozialwissenschaften, but then you can also say Kultur and Geisteswissenschaften. And I'm really not sure if they're all synonymous or if there's some, you know, differences or how important those differences are. Maybe they're largely the same, but I guess if you're in one of these sciences, you could probably write a paper on
which term to use, or multiple papers. Okay, so here we are. Jean-Noël se rendra à un colloque la semaine prochaine. Then we have, elle fera une communication. Le texte du colloque is the same as les actes. We see here one as singular and the other is plural. And la quadrature du cercle. Alright. That was pretty good. Of course, it's always easier when you can look up the terms. I'm going to copy these into my vocabulary book, and then I hope I remember them. Okay, so thank you very much for watching. And I'll see you next time. Merci et à bientôt.